du service à la famille chinoise, c'était lors d'un été il y a plus de 35 ans qu'un groupe d'étudiants bénévoles d'origine chinoise ont décidé d'installer un kiosque dans le quartier chinois afin de mener une enquête sur les besoins des aînés. Ces étudiants ont découvert qu'effectivement, il y avait beaucoup de besoins qui n'étaient pas répondus, largement à cause de l'inaccessibilité de ces services. In 1976, I began practicing pediatrics in Montreal, and before long, I realized that there's an inequity of healthcare services to the new Chinese immigrants. And so consequently, there are lots of medical and psychosocial problems that I witnessed in the Chinese family. So I talked to some community groups, and there was the only Chinese-speaking social worker, Esther Wong, also have the similar experience. So she called a small nuclear group to discuss about the problem within the Chinese community. And that's how we started attracting other interested persons in the Chinese community. And that includes students, includes other professionals. So we decided to plan to apply for government grant. And after a couple of years, we finally have both federal and provincial government support. And then we developed the formal Chinese Family Service Center. Selon Madame Lam, les premiers services offerts visaient l'amélioration des conditions de vie des aînés du quartier chinois, leur état de santé physique et psychologique, et contrer leur isolement social. Au début des années 80, on dénombrait au Québec un peu plus de 10 000 personnes d'origine chinoise. La majorité résidait dans le centre-ville de Montréal, dans les environs de l'actuel quartier chinois. C'est la raison pour laquelle le service à la famille chinoise s'est établi au 82 de la Gauchetière, au cœur même du quartier chinois. Il faudrait souligner qu'au fil des 35 ans d'existence du service à la famille chinoise, la famille Wong a été un soutien précieux pour le développement de l'organisme. My brother-in-law Marcel Wong was one of the founding directors. When Norma Lee became a director, and I believe president, she was able to receive grants from the federal government, New Horizons. I was so happy when this happened, and we had more financial support. We were able to do more work. And from then on, it just kept growing year by year. En effet, Feu Marcel Wong a été très impliqué dans la fondation du service à la famille chinoise et un fervent promoteur de son enracinement dans la communauté. Depuis la fondation du service à la famille chinoise, plusieurs membres de la famille Wong s'impliquent personnellement dans la vie de l'organisme et offrent un important soutien financier et nous tenons à les remercier. À la fin des années 90, la communauté chinoise du Québec a été multipliée par 6 et atteignait plus de 60 000 personnes. Dans ce contexte de croissance, le service à la famille chinoise a suivi le mouvement et a participé à la création d'une succursale de service sur la rive sud de Montréal. Situé à Brossard, le centre Sino-Québec de la rive sud est au cœur d'une communauté de près de 15 000 personnes d'origine chinoise. Depuis 35 ans, le service à la famille chinoise du Grand Montréal, on accompagne les nouveaux arrivants, on facilite les intégrations et en emploi par le placement direct en entreprise, puis on dispense des cours de francisation qui permettent un accès communautaire à l'Internet. Aussi, nous travaillons pour le bien-être des familles en prévenant la violence conjugale dans les communautés culturelles,
en offrant un source face aux difficultés d'intégration, en animant des ateliers d'éducation et de sensibilisation pour la prévention des jeux pathologiques, en offrant des conseils juridiques et de l'information, en soutenant la vie sociale des personnes aînées d'origine chinoise. Ainsi, on encourage la participation des membres de la communauté au niveau social, économique, culturel et politique. Tous ces services qu'on offre, grâce à l'ensemble de ces réalisations, sont rendus possibles par la contribution du personnel qui est motivé et dévoué. Un conseil d'administration engagé, des donateurs privés assidus et le soutien financier du gouvernement fédéral, le gouvernement du Québec et de la ville de Montréal. Très engagée au sein de sa communauté, Mme Wong siège au conseil d'administration de l'hôpital chinois. Elle est présidente du service à la famille chinoise du Grand Montréal et du centre Sino-Québec de la Rive-Sud. Son ardeur au travail et sa grande connaissance du milieu des affaires font d'elle une leader et une entrepreneure recherchée. Bravo. Notre deuxième finaliste est le centre Sino-Québec de la Rive-Sud. J'ai vu Mme Cécilie, sa directrice générale, à rejoindre Mme James. Le service à la famille chinoise est un organisme qui a su développer son savoir-faire et son expertise pour répondre rapidement et adéquatement aux besoins des membres de sa communauté, notamment les aînés. En ce 35e anniversaire, le service à la famille chinoise continue son expansion et offre plus d'une dizaine de services. Nous avons approximativement 5000 entrevues individuelles par année en accompagnement des nouveaux arrivants. Nous avons aussi approximativement 250 clients en immersion professionnelle, en plus de 1000 étudiants de France en francisation, dont plus de 4000 heures à temps plein, à part de 1900 heures à temps partiel. Nous avons aussi approximativement 2500 personnes qui utilisent les ressources d'accès communautaire à l'Internet. À peu près en plus de 200 membres âgés de 60 à 90 ans qui utilisent les activités du centre Mansao pour les aînés chinois. Pour tout ça, nous avons une équipe d'approximativement 250 bénévoles qui s'en occupent. Le service à la famille chinoise accueille beaucoup de bénévoles, puis il y a des soirées de reconnaissance qui sont là pour justement apprécier le travail de ces bénévoles. Nous considérons vraiment que c'est un organisme qui prend beaucoup de place dans la communauté et qui est très bénéfique pour l'ensemble de ses membres. Un bon nombre d'activités du service à la famille chinoise et du département des bénévoles se réalisent grâce à la générosité, au dynamisme et au dévouement des personnes, jeunes et moins jeunes, qui donnent de leur temps sans compter. Le travail de bénévolat est une excellente façon de connaître la culture québécoise et de mieux intégrer à la société québécoise. Depuis 1999, le service à la famille chinoise offre un programme de bourse d'études pour les bénévoles engagés. Les candidats à l'obtention de ces bourses sont classés en trois catégories: nouveaux immigrants, étudiants et professionnels, adultes et retraités. L'octroi de ces bourses est rendu possible grâce à la générosité de plusieurs partenaires. Depuis 2008, un fonds de bourse scolaire a été créé pour les bénévoles engagés. Ce fonds est alimenté par les dons reçus de Lawrence et Margaret Fong, Tyler College et des dons reçus en mémoire de Mme Norma Lee et Mademoiselle Lucille Wong. Nous appelons à la générosité de ceux qui désirent soutenir ce fonds pour permettre à notre organisme d'assurer la pérennité de ce programme. We want to offer our help to back to the Chinese Center to make it could offer more to the society. And in return, the center can also unite the synergy of the community and give back more
to the community and also to the society. Nous avons choisi d'appuyer le service à la famille chinoise du Grand Montréal parce que nous avons le même but, le bien-être des membres de la communauté asiatique et faciliter leur intégration et leur développement dans la société québécoise. Le service à la famille chinoise est un acteur essentiel dans notre quartier, dans notre faubourg Saint-Laurent. Par exemple, nous avons des préoccupations communes pour le logement social, pour les personnes les plus démunies, la propreté, la sécurité dans le quartier, ça nous importe. Et je sais que le service de la famille chinoise se préoccupe de toutes ces questions. Selon M. Jean-Paul Saint-Amour, le service à la famille chinoise du Grand Montréal et le Centre Sino-Québec de la Rive-Sud offrent aux nouveaux arrivants le soutien requis afin de bien s'intégrer à la communauté chinoise et montréalaise. Fort de l'appui de tous les niveaux de gouvernement, ces deux organismes réussissent un tour de force en offrant tous les services indispensables avec peu de ressources financières. Dans les prochaines années, la communauté chinoise va continuer son expansion. Nous estimons qu'il y en a à peu près 100 000 immigrants chinois après Québec présentement. Donc, nous travaillons à adapter nos services en conséquence. Plus que jamais, l'action du service à la famille chinoise sera nécessaire pour combler les besoins de nouveaux arrivants. Plus de 40% des immigrants chinois ne connaissent pas la langue française et 10% sont en situation de chômage. Les actions de promotion à l'ouverture interculturelle, au pluralisme, à l'égalité et à la qualité de vie sont toujours essentielles pour nous. Il s'agit là d'une histoire qui a débuté voilà 35 ans et qui a été marquée par plusieurs obstacles et plusieurs défis que nous avons surmontés tous ensemble. Cette histoire nous a enseigné l'importance de tisser des liens solides entre chacune des composantes du service à la famille chinoise, que ce soit le conseil d'administration, les intervenants, les bénévoles, mais aussi avec les nombreux partenaires externes qui ont à cœur le bien-être et l'épanouissement des nouveaux arrivants et des familles d'origine chinoise dans la société québécoise. 全力以赴我们心中的梦 星空，谁是真的英雄？平凡的人。